Women's Human Rights International, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Bachelet, de votre présence. L'association Women's Human Rights International Organization souhaite la bienvenue à la nouvelle haute commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU, Madame Michelle Bachelet. Elle la remercie d'avoir déploré profondément dans son discours d'ouverture de la 39e session du Conseil des droits de l'homme l'exécution le 8 septembre en Iran de 3 jeunes prisonniers politiques kurdes, Ramin Hossein Panahi, 24 ans, Lorman Moradi, 32 ans, et Zanyar Moradi, 30 ans. Les corps n'ont pas été restitués aux familles et ont été enterrés dans un endroit secret. Ces pendaisons qui ont vivement indigné le peuple iranien montrent une fois de plus que la République islamique d'Iran n'accorde aucune attention aux plus hauts organes et instances internationales et a méprisé leurs appels à annuler ces exécutions. Ces exécutions se déroulent exactement pour le 30e anniversaire du massacre de milliers de prisonniers politiques en Iran en 1988, vis-à-vis duquel l'absence de réaction de la communauté internationale a renforcé l'impunité des responsables et les a encouragés à poursuivre leurs crimes pendant 40 ans en Iran sans avoir à en répondre devant les instances internationales. Remercions à nouveau Madame Bachelet pour son attention sur ce sujet tragique. Women's Human Rights International Organization l'appelle à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité des responsables de ces massacres en Iran. Je vous remercie. I thank you very much.